et bienvenue dans cette vidéo découverte de l'Open Dev 2 de Endless Dungeon. J'avais découvert il y a quelques temps, il y a quelques semaines, moi maintenant, l'Open Dev 1 en solo. Et là, maintenant, je ne suis pas tout seul, puisqu'on a la possibilité de découvrir cet Open Dev numéro 2 en coop. Ça y est, on peut tester le jeu jusqu'à 3 joueurs. Et du coup, je me suis entouré de 2 personnes pour ça, évidemment. Et donc, je suis avec Dacus et Katox. Salut les gars! Salut! Et donc on va se lancer tout simplement. Alors vite fait les nouveautés, je vais les montrer très rapidement sur le web. Il n'y a pas grand chose et surtout c'est pas forcément très fonctionnel. Néanmoins ça permet quand même de montrer 2-3 trucs. On peut débloquer maintenant des petits blueprints qu'on peut trouver. Et avec des scraps dont je n'ai absolument aucune idée de comment on les gagne. Puisque moi j'en avais plus de 500 hier. Dacus en a 0 et Katox en a 5. Voilà, la logique, je ne l'ai pas. Cela dit, vous pourrez débloquer des petits blueprints pour les personnages. D'ailleurs, il y a un nouveau personnage qui est débloquable en lui parlant simplement dans le hub, c'est Shroom, que je vais prendre. Et après, ces petits blueprints, vous pourrez les activer et effectivement, ça fera des petites améliorations qu'ils vont pouvoir avoir sur eux. Ça, c'est la première nouveauté. La deuxième, c'est que maintenant il y a un système de barres où vous allez pouvoir trouver des recettes que vous allez pouvoir activer avant de partir en mission qui vont vous faire des bonus. Par exemple, celle-ci, quand on utilise un medikit pour se soigner, on a un effet temporaire où on améliore notre défense, nos dégâts, notre vitesse de tir et également nos déplacements. Donc voilà. Et également, ici, on va pouvoir apercevoir. Hop, j'ai fait le dialogue, c'était pas ça. Oui. Voilà, on va pouvoir apercevoir maintenant une espèce de map avec effectivement les zones qu'on va pouvoir traverser. On voit que la station a plusieurs étages et on va voir effectivement ce qu'on peut débloquer. Alors les clés, je crois, c'est ce qui permet oui, de débloquer d'autres zones. Ça, c'est les blueprints. Là, c'est les recettes des verres, au niveau des verres. Et ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un aperçu global puisqu'il y a des choses qui sont buggées, hein, comme les améliorations que j'ai débloquées, que je ne peux pas forcément activer. Ça, c'est pas très très important. Par contre, la petite fenêtre qui est là, elle est bien. Elle permet de choisir nos persos. Voilà, j'ai choisi mon perso. Je vous laisse, les gars, rejoindre. On voit bien à droite que j'ai l'amélioration du cocktail pour la mission en cours. Là, on voit bien un petit résumé des statistiques des personnages, le passif, l'actif et l'ultimate. On peut pas les voir ici, mais ils sont là. C'est vrai que c'est un peu bête qu'on puisse pas mettre le curseur dessus pour apercevoir ce que c'est. On voit bien que ça a quand même bien pris en compte mon petit blueprint. Salut à toi Pégase, enfin Will, excuse-moi. Ouais, c'est cette voix, oui, ça fait 10 ans que t'as pas entendu ma voix, oui, ça fait longtemps. Un gars que j'ai retrouvé, que je connaissais il y a plus de 10 ans de ça. Donc forcément, ça fait longtemps. Et donc, voilà, après le reste va être plus ou moins verrouillé. Mais bon, on va aller se tenter ça, et je vous parlerai en même temps au fur et à mesure des nouveautés. Ou si je me rate, les gars, ou que j'oublie des trucs, n'hésitez pas à préciser, surtout vu qu'on a joué ensemble hier et qu'on a réussi. Normalement, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Que ton verre. J'espère hein, que ça devrait être bon. Je vous laisse gérer en attendant. Ouais, pour l'instant, ça va. Ok, je suis de retour sur le live. Ça a l'air bon. Ça a l'air mieux, voilà. Désolé pour la petite gêne, effectivement. Je téléchargerai le replay après, c'est pas grave. Donc vous avez mis un module de science, vous avez bien ouvert ici. Là, j'ai ce qu'il faut pour éclairer la salle. On peut se faire une recherche techno après, si vous voulez. Avant qu'on ouvre trop de portes, peut-être. Comme ça génère une vague dans la foulée. Ouais. Et ben, vous êtes ready, c'est parti. Ouais. C'est comme c'est le canon d'acide qu'on avait débloqué aussi hier. Donc là, ça c'est facile de faire des recherches maintenant, effectivement. On en fera peut-être même une deuxième dans la foulée. Si on peut. Ah bah ouais, grave. On a encore 33 de science, donc je pense qu'il y a moyen. Hop, donc je vais regarder qu'est-ce qu'on a d'autre. Hop, putain, à 52 science, on peut faire les tourelles niveau 2. Sinon, on a l'amplifieur hein, qui est très bien aussi, à 16. Soit on attend un tout petit peu et on fera la mitraillette niveau 2. Soit on fait l'amplifieur. Les deux sont bien. Donc on passe 3 portes, je pense que c'est négociable, hein, 3 portes. Ouais, c'est largement ouais. Négociable. Surtout comme la carte est bien organisée là, il n'y a pas trop de soucis. Eh ben allez, on va aller ouvrir par ici. Hop.
un nouveau point de spawn. Un coffre. Ah, tiens, encore des trucs à débloquer. Sound speed, ok. Better bombs, ok. Ouais. Des trucs à débloquer qu'on peut pas vraiment débloquer parce que c'est un peu buggé. Ok, là, il va y avoir un tout petit peu plus de créatures par contre sur les. Sur la future techno. Pas très grave. Hein. Non. Après, on a une porte gratos, mais est-ce qu'on l'ouvre? Je suis pas sûr. Non, on peut l'attendre. Ouais, ouais. On est d'accord, on va plutôt attendre. On a deux spawns en haut en plus. Ouais, je proposerais cette porte-là, c'est plus. Oui, oui, oui. Ouais, je suis d'accord. Mieux. Je suis d'accord. Ok, donc là, on va pouvoir également. Donc, ça, c'est les petites upgrade stations où on peut dépenser de la nourriture pour améliorer notre nos compétences et level up nos persos au passage. Non. Ouais. Non, mais je vais pas utiliser de la science, mais ouais, je vais attendre un peu parce que pour moi, allez-y regardez pour vous. Moi, il y a un truc qui me botte bien et que je n'ai pas pour le moment. Alors moi, la particularité de mon personnage, c'est qu'il a une petite lanterne qui permet de soigner les copains. Donc par exemple, la Katox, hop, je peux le soigner. Voilà, j'en avais un et on voit ici, j'en ai plus que zéro. Mais j'en regagne de temps en temps en tuant les ennemis. Ça c'est mon petit E, je l'actionne avec mon petit E. Et mon pouvoir spécial R que je n'ai pas encore me permet. Hop 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 hop, il y en a qui se barrent là. Voilà, on va aller là pour défendre la station d'industrie. Et au passage le cristal. Je crois que c'est les dernières. Non. Oh, je l'avais une sur moi, je l'avais même pas vue. Nickel. Et ben vous êtes prêts dans la foulée, je lance la recherche à 50. Vas-y. Allez. Voilà, parce que dès qu'on lance la recherche, c'est parti, ça génère des vagues. Il y a un gros là qui arrive. Ouais, je peux pas forcément gérer tout le monde parce que ça se barre dans les deux portes là. Oh non, 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 va pas voir le cristal toi! Non, 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 non! Ouais, c'est bon. Je vais rester là. Oula, oula, oula. Ouais, y'a un peu de monde. Y'a un peu là. Ah, ils nous ont détruit le générateur de nourriture, d'accord. Bon, c'est pas dramatique. Ok, on a géré la vague. On a débloqué la technologie, bon ça nous permettra de mettre quand même des défenses mieux. Au choix. Ah oui, et puis c'est vrai que quand il est détruit, c'est détruit par contre, je crois qu'on peut plus reconstruire derrière. Parce qu'il a carrément disparu hein, le truc. L'emplacement n'est plus là. C'est tout pété. Voilà. Et ben let's go, hein, où tu veux, hein, peu importe. Ah ouh. Bah on va remettre de la nourriture du coup. Un générateur de nourriture. Là je reset ça. Ouais, je vais prendre ça, tiens, ça améliore les déplacements de tout le monde dans la salle. Même salle que moi. Ah, c'est pour vous, battez-vous. Moi j'ai mon petit flingue. Si c'est battu, j'ai gagné. Il est vraiment trop fort ce Katox. Ah bah ouais. Ouais, tu peux pas lutter. Ah ouais non, je peux pas. Donc le but hein, c'est de trouver, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu, la salle qui nous permettra d'aller à la suite. Et pour ça c'est une salle où... c'est quoi ça? Ah oui mais alors oui c'est la... Comment on appelle ça? L'astuce pour... Pour faire de la manipulation, mais c'est pas actif. Je le prends, mais on s'en fout. C'est pas actif de toute façon dans l'open dev pour le moment. C'est trouver la salle qui nous permettra effectivement de venir brancher le cristal, de déplacer le cristal, ce qui va générer des vagues en continu jusqu'à ce qu'il arrive à la nouvelle destination. Et ça nous permettra d'avancer, d'aller au prochain niveau. Donc voilà pourquoi faut pas trop traîner, hein, c'est que les vagues sont générées comme je disais en continu. Hop.
Ils m'ont eu. Ah, Katox à terre. Je me dirige vers toi, Damned, parce que bon. Ouais, ouais, c'est chaud. Quoi, toi? On n'a pas mis de défense en même temps, donc c'était peut-être un peu chaud. Ouais, ouais, on a été un peu optimiste là. On n'a pas eu le bonne map non plus, quoi. Enfin, non. Oui, non. Ok, ils ont pété un autre truc. Ouais. Bon, t'as perdu ta mitraillette par contre, je crois. Ouais. C'est cool. Oh, c'est bien la peine de te battre pour l'avoir. Ah, bravo. Faut que je vous soigne un peu, les gars, par contre, parce que vous êtes un peu dans la mouise. Après, vous avez des. Éventuellement des medikits, hein, mais. Ouais, je peux pas vous soigner mieux que ça. Je propose que ça devienne une salle de défense ici, là. Plutôt celle d'en bas, puisque ça va. Ah oui, celle d'en dessous, pardon. C'est celle d'en dessous. Ouais, là, il y en a vraiment besoin. On aura bientôt trouvé le point de passage. Ouais, la sortie devrait pas être loin. Ouais, mais bon. En cas de revague, c'est chaud. Genre là? Ouais, c'est là. Ok. Est-ce qu'on ouvre la dernière porte maintenant ou... On a deux portes potentiellement. Trois portes même. La blanche et deux vertes. Bah deux. Deux à faire une fois que le corps est passé. Mais ah. Ouais, la dernière là-bas, on l'ouvrira. Enfin, celle côté du cristal, on l'ouvrira vraiment à la fin pour passer plus vite. C'est maintenant en fait, non? Ah, vous voulez faire la blanche? Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Bah oui, la blanche d'abord. Hein. Ouais, y'a un bandeur. Oui, il y a le marchand. Ouais. C'est que des trucs pour toi. C'est une honte, on a droit à rien. C'est honteux. Ouais. Ouais, je suis pas sûr que j'ai le temps de regarder tout du coup. Et j'ai pas assez de bouffe de toute façon, donc Hop, voilà, je me téléporte au cristal. N'oubliez pas que vous avez votre spécial, hein. Voilà, comme ça je vous fais un peu régène de vie. Le fait de pouvoir se téléporter, c'est pas mal aussi. Quand t'es vraiment en danger, tu fais une petite téléportation et hop. Exactement. Bon, on ouvre ? On va pouvoir ouvrir les deux. Ouais. Ouais. Ok. Et puis bah y'a plus qu'à appeler le Medipack. Enfin le Medipack, le cristal. Le cristal bot, pardon, que je raconte. Ok, c'est parti. Donc là maintenant le cristal va venir se connecter là-bas où on lui a dit. Et là on va avoir des vagues en continu à gérer jusqu'à ce que le cristal arrive à bon port. Je prends les devants parce que ça va arriver. Voilà. Et après, comme d'hab, on est bon. Il n'y a plus rien qui peut arriver par derrière. Maintenant, tout est devant nous. Oula. Wouah. Hop là, Katox qui a activé son petit pouvoir. Parfait. Allez, il est en train d'ouvrir la porte, le petit Crystal Bot. On n'oublie pas de rentrer. Hein. N'est-ce pas?
C'est ouvert. Dacus, c'est ouvert. Ah ouais, ouais, j'arrive, t'inquiète. Ah ouais, méfie-toi. Ça va vite, les fermetures. J'ai appris une fois, c'est bon, ça m'a suffi. Je vais vous soigner. Parce que j'en ai du soin. Et voilà. Nickel. Donc là, on arrive à la seconde zone. On repart à zéro, hein, donc les, tout est détruit, ce qu'il y avait derrière nous, c'est fermé, donc on repart à plus 2, il faut reconstruire. Voilà, je refais un rappel pour ceux qui connaissent pas le jeu ou s'en souviennent plus. Là, on a, ouais, on a un terminal de recherche pour faire les améliorations de niveau 2, ça c'est cool. Tiens, je te la laisse. T'as ah t'as de la chance, il est sympa, il est de bonne humeur. Je crois que c'est à peu près la même que ce que j'ai eu avant en plus. Ouais, c'est bien possible. C'est le même genre en tout cas. Attendez, je regarde. Ouais, et ben à part. Ouais. J'aurais bien pris l'acide shooter, l'acide numéro 2, mais il faut 52 sciences. Donc c'est pas pour tout de suite. Je vais en faire un. Je vais en faire un, comme ça on va essayer de l'avoir rapidement quand même. Et puis je fais plutôt l'industrie en priorité, mais bon. Industrie. On peut ouvrir là. Ah, il y a un petit truc à miner pour le Crystal Bot. On verra si on le fait ou pas. Alors, il y a moyen qu'on y arrive, ça a pas l'air si loin que ça. Je pense que c'est jouable, ouais. Surtout qu'on a encore que deux pubs donc. Ouais, exactement. Ils sont timides sur le chat. Il y a 8 personnes. Il n'y a pas une personne qui a rien dit, qui a dit quelque chose. Ils ont peur. Ouais, j'ai l'impression qu'on a des peureux ce soir. N'hésitez pas, manifestez-vous, faites-nous coucou, on peut parler, poser des questions. On est aussi là pour ça. Hein. Posez votre verre d'apéro. Exactement, vous le reprendrez après, vous en faites pas, on va pas vous le voler. Je ne mords pas encore. Allez, on lance le cristal, le drill du cristal. Ce qui va permettre de nous prendre une ressource qui va nous permettre, si on réussit, de l'améliorer. Alors je vais venir t'aider quand même, Dacus, parce que par là, comme il va passer là, le bot. Ils sont chiants ceux-là, les trucs qui roulent. Ah ouais, ouais, c'est clair. T'as posé une petite dynamite ? J'en pose. Coucou Zikino ! Et bienvenue à toi. On t'a fait peur, ah bah tu vois. Et coucou Zmoi ! Ah, il me semblait qu'il y avait des gens quand même qui étaient là. Bon bah j'ai perdu mon arme. Oh mais les gars, qu'est-ce que vous faites? Par contre Katox, je vais avoir des problèmes là. J'ai besoin de toi. Ah moi je vais mourir. Ah ouais, alors on va peut-être pas y arriver du coup. Ah putain, j'avais pas vu que j'étais pris au piège. Ouais, le bot va prendre cher là. Pourquoi ils arrivent par derrière? Bon, c'est pas où derrière. Je sais pas, j'en ai vu arriver par derrière. Putain, mais arrête de me suivre le bot aussi, c'est vrai qu'il me suit. Allez, reviens te connecter là. J'avais oublié qu'il fallait que je lui dise d'aller se connecter. Ouais, on se bat contre Sonic, ouais. Oh! Voilà, c'est bon. Bah, on est pas très performant. Hein. Et. Ouais. Bon attends, je peux te soigner un peu toi. En fait, c'est la game de chauffe, c'est ça? Ouais. Je pense surtout que l'acide, c'est pas du tout le truc qui est efficace. Ouais, non, l'acide c'est bien pour les blobs, c'est marqué pour les blobs, mais c'est faible contre les insectes. C'est ça. Donc du coup, effectivement, maintenant on peut améliorer le Crystal Bot. Alors, réduit la vitesse des monstres et la défense quand ils sont dans la ligne de vue du cristal, ça peut être bien. Plus de science générée à chaque porte ouverte.
Et la même chose que le premier, en fait, deux fois slow motion ou la science, comme vous voulez. Flingue pour toi ici. Eh ben j'arrive. Je dirais la science. Ouais, on va prendre la science, petit bonus de science. J'arrive, je me dépêche. Ah, intéressant ça. Celui-là va faire plaisir. Ah oui, ça va être bien ça. Ah mais on a perdu tous nos modules en fait. Oh, dur. Ouais. Jusqu'à ce que tout le monde soit mort ou jusqu'à ce qu'on arrive effectivement à la fin. Après on change de niveau, il y a plusieurs types de niveaux, plusieurs biomes. Bon là on est dans une open dev donc vous allez pas en voir trop non plus mais... on active le... Ou alors on fait un truc de recherche ouais. Avant, si vous voulez. Ouais peut-être... Ouais. Bah... Comme on a rien, comme on a rien à défendre. On poserait peut-être quelques tourelles quand même parce que bon... Ah, comme on a rien à défendre on se met autour du cristal et on tabasse. Hein. Bon, on reste par là en fait, ouais. Ici. Mais au pire, ouais, on peut mettre une défense ou deux quand même. Hein. Lance le truc de science tant que c'est la vague, parce que du coup. Hop, allez. C'est parti. De toute façon, ils vont tous venir par là. Hein. Ouais, je me bats. Ouais, c'est Sonic, ouais. J'avais pas vu Zikino, effectivement. Ah, je sais pas si tu connaissais le Dungeon of the Endless, qui était un peu le premier jeu du studio de Amplitude Studio. Bon, on a géré tranquille. Hein. Dungeon of the Endless, c'était leur premier? Je crois que c'était leur premier, oui. T'as pas d'abord Endless Space ou tous les peut-être me semblait que c'était Endless Space, moi. Ou ouais. Peut-être Endless Space en premier, mais Dungeon of the Endless dans la foulée. Je sais plus. Après, il y a eu Endless Legend. Après Endless Space 2, après Humankind, et après celui-là, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est ça. Mais il me semble que Endless Space était arrivé avant... C'est possible. Protéger. J'y suis. Ouais, moi j'y étais pas, c'est pour ça. Eh bah oui. Ah ouais. C'est toujours mieux d'y être. Ça reste à prouver. Le petit flingue il fait plaisir hein, quand même là. Oula, faut prendre des devants par contre. Tu peux descendre des cuisses, voilà, c'est bon. Oh le monde qui approche là. Ouais mais regarde, nos DPS aussi vont faire le boulot. Et encore, là, on a encore été greedy sur les défenses, hein. Ouais. Et voilà. Et là, en fait, on est obligé d'amener le bot ici. C'est pas la fin du niveau, mais c'est pour nous débloquer les autres salles. De toute façon, on n'avait plus d'autres salles possibles. Donc, là, par exemple, pour ouvrir cette salle-là, et on aurait gratuitement des ressources, mais on va se garder ça pour la fin, parce que ça ferait un passage pour les monstres pour venir plus vite au cristal. Et on veut surtout pas ça. Oh non. Voilà. On profite pour claquer les soins. Ici, on va faire... on va faire un peu d'industrie, hein, ma foi. Et évidemment, on va avoir un truc de bouffe pour passer des levels. Ouais, allez, je vais en prendre un. Pour mieux vous soigner. On va pas se... Il manque un truc. C'est peut-être très fun à jouer, mais à suivre sans plus. Autant un truc comme DRG, c'était rigolo. Regardez, autant là, je ne sais pas, j'accroche moi. Ah, bah c'est peut-être moins fun à regarder. Hein. Ça, je veux bien te croire. Là, je peux pas juger, je joue, donc... Il y a moins de challenge encore que. Hein. Ouais, encore que, ouais. On a un petit coffre ici, en plus de la sortie. Ah. Spawn pour le cristal et c'est tout.
Bah, ils vont probablement détruire le truc d'industrie par contre, mais. Ah, quoique, non, peut-être pas. Vu qu'on est là. Ouais, normalement ça devrait le faire si on arrive à protéger. Salut Xebus, bienvenue à toi sur le live. Ah oui, ce que j'ai pas montré aussi, c'est que les petites tourelles ne peuvent pas être détruites, c'est-à-dire qu'ils peuvent au mieux les désactiver s'ils les détruisent complètement. Enfin, ils enlèvent toute leur vie. Mais on pourra les récupérer, heureusement. Et en fait, à tout moment, si on est à côté, qu'on fait un clic droit dessus, on peut les soigner gratuitement aussi. Ça n'utilise pas de ressources. Et les tourelles peuvent s'améliorer aussi, peuvent level up si elles deviennent entourées de jaune. On fait un clic droit dessus et on les upgrade au niveau suivant. Voilà. Ça aussi, c'est totalement possible. Voilà, ça c'est fait. Là, il y en a une upgrade justement. Et ben voilà, donc hop, un petit clic droit, et hop, elle est passée niveau 2. Nickel. Oui, c'est vrai qu'il y avait une salle par ici. C'est la dernière des salles. Ah non, il y en a encore une là-bas. Porte blanche. Ah oui. Ah bah tu vois, je sais même pas si je laisse appuyer E, ça me soigne moi-même. C'est bien ça? On peut bouger le cristal. On peut bouger le cristal? Ouais, ce sera okay. Relativement simple. Ouais, c'est vrai. Ouais, à part qu'il y a une. Ça va arriver aussi. Je vais quand même. Ouais, faut quand même faire gaffe à cette salle là quoi. Oh, je vais. Ça va aller pour toi, Katox? Je vais peut-être venir quand même. C'est pas que le Crystal Bot il a un peu pris cher quand même, mais. Oula, il y a du monde! Ouf! Il a pris une petite gifle, hein. Voilà. Ouais, on prend cher là. Ok, c'est bon. Ouais, dis donc. Ouh. On en chie ici. Exactement, ouais, on en chie. On a pas eu beaucoup de chance avec les upgrades d'armes. Hein. Les deux ouais, upgrades puis... acides alors que c'est les mobs résistants. Non, puis on a pas vraiment. Ouais, puis même les armes aussi, c'était pas terrible. Par rapport à hier, non. Ouais, puis on a pas joué beaucoup de défense. Hein. Donc on va au labor colonie, du coup, qu'on a débloqué. Ah bah oui. On est d'accord. Hein. Le truc qu'on a débloqué hier, on va quand même inspecter. Un petit peu de nouveauté, que diable. Exactement. J'aimerais bien que le bot reprenne un peu de vie, mais je crois que ça c'est. Faut pas trop y compter. Je crois pas, hein. Enfin, je suis pas certain, mais je suis pas sûr qu'il en reprenne. Hein. Ouais, non, pas vraiment. Oh, cette salle de merde! Ouais, ouais, c'est. Oh là 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 là. Bon, on va aller à l'opposé, hein, ça nous laisse plus de marge que. Ok. Ah, bah tiens, on les connaît ceux-là. Oh oui. Ah. Ah, c'est là qu'il nous faudrait des. Ça va être des blobs, c'est ça, pour des... vous. Des slimes. C'est mon tour. Du poison, tu veux dire cool. Je la connais, celle-là. Ouais, non, mais tu sais, les... Ah, bien. Ouais, les trucs de poison ouais, qu'il faudrait. Eh ben, ouais. On va aller là. Donc, c'est bon, on est sauvé, Katox a l'arme qu'il faut. On est pas mal alors. On verra. Si on fait pas les cons. Qu'est-ce que j'ai? Mais pourquoi j'ai. Oh. Ouais, non. Pas grave. Donc là, on peut pas aller plus loin. Après, c'est ici. Ah ah. On se la joue tranquille, sans défense, ça va aller.
Allez, il y a deux endroits, on est trois, ça devrait suffire. Ah, pas eux, putain. Attends, j'y vais. Parce que eux, ils sont invulnérables de l'avant. Ça, ça fait mal, hein, quand même, ce flingue. Ok, on a géré. Voilà. Si c'est fermé. Le petit cristal d'amélioration, on va pas le tenter. Hein. Ouais, je pense que ça va être la fin, si on voulait. Ça risque d'être chaud, ouais. Oh, parce que là, vraiment, la disposition est vraiment pas top. Hein. Non, pas trop, non. Attendez, j'ai de quoi allumer la pièce. On va le faire. Voilà. Ouais, allez-y, sinon j'ai rien d'intéressant. Bon, je vais aller mettre des défenses en bas quand même. Ouais, je vais plutôt aller en bas, il y en a qu'une seule ici, je te laisse. T'inquiète. Ouais, Katox devrait gérer, et là je nous ai mis des de quoi faire. Ah oui, t'as mis les tourelles, très bien. Ah oui, non, c'est bon. Si c'est la merde, tu m'appelles, pour moi je gère en bas. Ah oui, il y en a beaucoup, parce qu'en fait ils se multiplient, hein, quand on les tue ces machins. Ils se font démultiplier plutôt. Que c'est l'arme que j'ai, il va être debuff très très vite. Ah oui, oui, c'est possible, c'est vrai qu'elle est vraiment puissante. Hein. À toi seul, tu gères des vagues. Hein. Bah, il suffit que tu mets un choke point, ça c'est fini quoi. C'est vrai. Système 2. Qu'est-ce qu'on a là? Un petit amplifieur, un jellifier, il n'y a que des bonnes choses. Hein. Mais le petit amplifieur, on peut se le faire vite fait. Hein. Chacun son poste. Comme ça on l'aura. Parce que c'est pas un mal. Allez, c'est reparti. Ah ouh, le gros il me fait mal. Il me fait dépasser avec ce putain d'enfoiré. C'est bon, ça va aller. Je crois. Oula, 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 oula. Attends. Hop, déjà, voilà. Ah bah non, normalement je peux pas mourir avec ça. Ah bah voilà. Je suis pas mort. Je t'ai relevé. Ah, on peut se relever. Bah tu sais quoi, tu m'apprends un truc. Oui, en fait, t'as un temps avant que la personne meure complètement. Tu restes à côté, tu restes appuyé sur E. Ça prend une seconde et demie à peu près, deux secondes. D'accord, attends, je vais me soigner dans mon coin. Ah non ! Ah ! C'est pas grave, hein. C'est que si t'es là, je peux pas me soigner avec. Bon, cela dit, tu peux... Puis on peut prendre un medikit aussi. Hein. Ouais... Pour moi, ça ira, bon. J'ai trouvé le bouton. Ok, bah vas-y. C'est un gros bouton rouge ? Un gros bouton bleu. Ah, bon, c'est moins fun déjà. Je te laisse quand même faire la dernière salle. Tu peux mettre ce que tu veux. Science. Allez, vas-y. Je vous laisse aller en bas, je vous rejoins. Je vais quand même aller voir si je peux me prendre un petit niveau vu qu'il nous reste de la bouffe. Quitte à utiliser de la science pour faire apparaître d'autres trucs. Parce que c'était pas terrible ce que j'avais. Ok. Améliorer la défense, je prends.
Et voilà, je peux avoir plus de. Plus de soins. Ça, c'est cool aussi. Tiens, petit coffre. Bonjour. Tac, tac, tac. Paper Punch. Ah, bah, il y en avait un autre ici. Ah, bah, c'est pour avoir du Medikit. Je vais en générer un quand même. Yep. Bien que je vois toujours qu'on en tu est. Tu sprintes tellement vite, toi. Eh ouais. Ouais. Par contre, j'ai généré un Medikit, mais je vois toujours qu'on en a un. Alors qu'on en avait déjà un. On en a consommé un, je crois pas, non. Non. Si, j'en avais pris un. Ah, d'accord. Oui, mais on en avait un avant que je le prenne. On en avait deux, de base on en a deux. Donc on en avait plus qu'un, et en fait j'en ai créé un, et on en a toujours qu'un. Oh putain. Ah bah voilà. Il y a juste ça un petit merdier. Rapide. Il y a un petit merdier qui est passé derrière, il a fait un coup, il l'a terminé. Ouais, bah ouais, il était. Nul! On a été nul! On a été nul à chier. Est-ce qu'on a des améliorations qu'on peut débloquer ou pas? Alors j'en ai une pour le bot là. Est-ce que je peux lui équiper? S'il n'y a pas de héros dans la salle, augmente sa défense au bot. Mmh, ouais, ça peut être intéressant parce qu'on n'est pas forcément tout le temps à côté. Oh. Ouais. Je pourrais encore augmenter la vitesse de déplacement du héros. Et non, pas de... je n'ai pas débloqué d'autres recettes. Bon, on va se refaire on va se refaire une petite tentative. On peut faire mieux. On peut faire mieux. Pour ce deuxième essai sur Endless Dungeon, l'Open Dev 2 en coop, toujours avec Atox et Dacus. Salut les gars. Salut. Mort sur la faute de Damned. Ah, ça c'est bien une excuse de belge ça, tiens. La faute des non, autres. Non mais le healer n'a pas fait son taf. Ah, le leader, tu parles d'un leader. Non, le healer. Ah, oui, aussi. Allez, bah tiens, dans la foulée, hop, je lance une recherche. Le canon d'acide. Et on a encore un peu de science, on va voir ce qu'il me propose d'autre. En vrai, on pourrait prendre le shield et en foutre un dans la salle du robot, éventuellement. Ça augmente sa défense et la nôtre. Ainsi que tout le reste, les tourelles et tout. Ah, on va le prendre, tiens. Bon, ça fera permettre d'être plus défensif. Là, je vois la porte jaune ici, ça veut dire que le truc pour mettre le cristal c'est de l'autre côté de la porte alors? Probablement. C'est pas de ce côté? Non, c'est bien probablement ça. Bah continuez vers le haut hein, si vous voulez, je vais juste mettre un petit shield, voilà, comme ça ça augmentera la défense du cristal. Entre ça et l'amélioration qu'il a, ça devrait être pas mal. Bah, c'est un cul-de-sac. Bah voilà. Peut-être mettre une tourelle ou deux ici, histoire de protéger le. Oui, exactement. Je vais mettre un comme ça. Et un comme ça, j'ai pas assez. Bon, bah deux comme ça alors. Ouais. Avec les tours d'acide. Les tourelles acides coûtent cher. Vas-y, Katox, on te suit. Enfin, en tout cas, je te suis. Des petites ressources. Pour obtenir des medikits. On a vu que ça marchait très bien. Ouais, là on a un petit cristal mais je le sens moyennement quand même à driller. On verra selon la sortie si on peut le prendre au passage ou pas. Ouais voilà c'est ça, comme on avait pu faire la dernière fois, c'était ouais. Pas mal ça. On met de la bouffe. Bon bah, on sait pour qui c'est. Ouais, y'en a qu'un.
Alors là, on va avoir de la vague quand même. Hein. Moi, je vais en haut. Vas-y, moi, je ferais bien de défense de par ici quand même. Voilà, ça va augmenter notre défense aussi. Ah bah oui, ils attaquent le générateur de bouffe, c'est vrai, putain. C'est bien passé en bas. Ça va. Perdu le générateur de bouffe. Ouais, bon, ah. Presque bien passé quoi. Ça te faut vraiment que je reste statique sur un choke point et que j'y bouge pas quoi. Parce que dès que je bouge, c'est le bordel. Un petit générateur, tant pis, de science. Hop là, un petit jeton de dust pour éclairer une pièce. On va éclairer celle-là du coup. Du coup, on ne drillera pas. Ça va être chaud en tout cas. Ouais. Ok, bon, le slot il est juste là, cela dit. Ouais, bah ça on s'en doutait vu qu'il y avait une porte jaune à côté. C'est ça. Bon, et de toute façon, la là, hein. Porte est forcément derrière après. On peut aller là, mais on va peut-être attendre un peu. On va peut-être le déplacer. Vas-y, vas-y. Ouais, je pense, ouais. Appuie. Ouais, ils vont aller nous péter nos trucs de science et tout, mais bon. Oui, bah ça. Je vais aider Dacus quand même parce que c'est un peu chaud. Attention, ça arrive. Attention, il y a du monde là. Hop. Joli tir. Voilà. Eh bien oui, je vais trinquer au cygne effectivement qui n'est pas là ce soir. Hop. Et du coup, à la tienne, bah comme il n'est pas là, Xebus, bah la tienne aussi. Et j'en ai renversé la moitié sur mon clavier, évidemment. Ah. La base. C'est ça. Et du coup, ça a activé un truc sur mon. Wouah! Bon, c'est pas grave. Autodestruction. Mon clavier est en train de péter un plomb. Mais littéralement, en train de péter un plomb. Attendez, je peux plus jouer. Oh, j'aurais dû vous couper le micro. Avant pan, de faire ça. Pan, pan! Shame! 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 ouais, attendez, je vais voir si ça va mieux. Vous avez fini de me pousser là ? Là tu te déplaces, c'est déjà pas mal. Ouais, on va dire que c'est mieux. Qu'est-ce qu'on a en flingue là ? Ouais, on va acheter ça. Un petit flingue qui fait du pipiou de feu. Oh. Ah. Okay. Qu'est-ce qu'il nous reste à ouvrir ? Bah, rien en haut, en fait. Bah, en haut, la porte rouge. Avec, oui, bah, c'est la sortie, quoi, oui. Bah, vous savez quoi ? Et il reste aussi la porte jaune. Non, mais c'est pas grave, j'envoie le bot, quitte à se taper une vague, autant qu'on le déplace. Ouais, bon, allez. Et autant ouvrir la porte aussi. Effectivement. Attention, ça arrive en haut.
Je crois qu'il y avait quelqu'un qui couvrait en haut. Oula, il a pris cher. Je pars devant. Ouais, en tout cas, effectivement, ils aiment pas le feu. Hein. Le petit pétard là que j'ai, ils l'aiment pas trop. La la la, je suis une danseuse étoile. Bon, je vais quand même tirer de temps en temps. Même si Katox fait le 90% du taf. N'est-ce pas? Et c'est ouvert. Et voilà. Bon, ça se passe un poil mieux que tout à l'heure. C'est pas trop mal. Où t'es toi? Déjà personne n'est mort, c'est déjà pas mal. Ouais. Ouais, bah si, Damien est tombé une fois, mais je l'ai relevé avant qu'il, bah, avant qu'il meure. C'était, et la, qu'il perde son arme, c'était la partie d'avant. Ah, c'était la partie d'avant? Ouais, ouais. T'es en train de dire que ma mémoire de vieux est en train Attends. De plancher là? Attends, fallait pas ouvrir tout de suite, je pouvais activer la pièce et mettre un. C'est pas grave, un petit générateur. J'ai tellement l'habitude que ça soit déjà fait. Bah attends, fallait éclairer la salle en plus là, c'était un peu plus long. Quoi? L'acide 2, le shield 2, ouais, c'est bien, mais par contre. Science? Allez, science. Bon, est-ce qu'on tente. Je propose qu'on revienne sur nos pas. Et qu'on fasse une recherche dans la foulée? Ouais, bah, tant qu'à se faire attaquer, vas-y, ouais. Ok, je me téléporte au cristal, perso. Ouais, parfait. Protéger ça, là. Ah, je vais protéger la science. Nice. On va essayer de les cueillir à la sortie là, voilà. C'est ce que je fais. Je parlais pour nous du coup, toi j'en doute pas. Il y a un mob qui est en train de tailler des. Ouais, ouais. Ah mais il y a une petite saloperie derrière là, oh là là. C'est bon. Ah. Ok, bon, on a le canon d'acide niveau 2. Merci. On continue d'explorer ici ou on fait demi-tour? C'est vrai que ça commence à puer par là. Hein. Si on peut faire demi-tour. Il y a une porte encore ouvrée à côté du cristal. Ouais, on va faire ça. Bonne soirée, aide-moi, merci d'être passé nous voir. Hop là, des ressources. De la bouffe, on va en prendre quand même un peu. Mais on a de l'industrie, hein. Faudra pas hésiter à faire des défenses. Un petit coffre. Ah, la flingue électrique. Ouais, bah tiens, prends, ça a l'air merdique. Enfin, merdique, bon, c'est peut-être utile, mais. Bon, on a pas le choix d'en remonter par au-dessus, du coup. Ouais, exactement ce que j'étais en train de me dire. Je vais faire un peu de défense quand même. Bon. Ouais, voilà. C'est tout aussi nul les deux que j'ai, quoi. Désolé pour toi. Ah ouais, putain, il est là-bas le truc pour mettre le cristal. Oh, que ça va être chiant. Bah non, non, parce que t'as un passage entre les deux. Hein. Ah oui, ah oui. Ouais. Ouais, bah vas-y, open. Faudra juste qu'on déverrouille en fait. Ah bah oui, faut trouver le truc pour déverrouiller par contre. Cristal. T'as même un cristal sur le chemin. Ouais, il va y avoir de la vague hein, par contre là, tout de suite.
Wave complete, très bien. J'ai progressé, j'essaie de trouver le bouton. Il y a peut-être moyen de faire l'enchaînement, hein, cristal et tout. Ah bah t'as un truc de level up là-bas. Tu disais, Adacus? Il y a un truc pour level up là où il y a Katox. Ouais, c'est un peu loin. Ouais, bah, moi j'y sprint, hein, de toute façon. Après, c'est plus facile de revenir au cristal. Oui, c'est vrai. Que... C'est vrai. J'y vais aussi. C'est un peu chiant comme niveau par contre. Oh. Bah, on va pouvoir déverrouiller la première porte verte, faire le minage, passer au point et ouvrir la. Ah ouais. Après. Je peux ouvrir ici en mode gratuit, ça change pas grand chose de toute façon. Ouais, ça changera pas grand chose. Damned, je te laisse lancer. Je prends quoi du coup? Tu voulais qu'on drille le truc ou? Bah, c'est pas qu'on passe par là, on passe littéralement dessus quoi. Bah, tout mais on va y passer pour sortir de toute façon, dans tous les cas. Ok, donc. On le fera en sortant. Donc. Non mais attendez, vous voulez faire quoi là? Du coup, on lance la porte et on va en haut. Enfin, on passe, on fait le cristal dans la, on fait le cristal d'abord. Ouais. Allez, c'est parti. Et puis on se déplace en haut. Bah vu qu'il passe devant. Par contre, ça arrive dans la foulée là. Mouah. On a encore pas fait de défense. Je sais pas si on a été intelligent. Hein. Oula, c'est quoi ce saloperie là? Oula. Non, viens pas avec moi toi. Vas-y, couvre-moi, Katox, couvre-moi. Oh putain, faut que j'aille appuyer sur le bouton. Ouais, c'est fait, mais il prend cher. Hein. Ah, on a mal géré là encore. Hein. On fait pas assez de défense. Franchement, on est trop ouais, radin. Ouais. On a 124, c'est débile de pas en faire en fait. Ouais, j'avoue que là. C'est complètement idiot. On pourrait créer tout un petit chemin safe. On est vraiment des gros radins. Ouais. Et ça nous joue des tours, la preuve. Attendez, parce que c'est vrai qu'on peut lui faire une petite amélioration, Cristal, du coup. Plus d'industrie à chaque porte ouverte. Oui, on va prendre ça. Ouais, vas-y, Indacus, hein, ne te prive pas. Ouais. Oh, on a encore 100 et quelques, ouais, non, mais attends. Bon, tu peux ouvrir, hein, Katox, si tu veux, en attendant. Ok, bah, ça, c'est la salle, du coup. C'est la sortie, il reste plus qu'une porte, peut-être plus. Ouais, alors là, tu peux être certain. Hop. Je vais aller au truc pour level up. On a un petit peu de nourriture. Voilà. Et oui, c'est pas con. Ok, j'améliore la défense des héros dans la pièce. J'améliore mon soin. Voilà. Bah let's go, hein, vous pouvez l'envoyer. Hein. Bon, ouais, de toute façon, il y a une vague qui arrive, donc autant envoyer la sauce. Merde, je suis pas au bon endroit, moi. Il a pas grand chemin à faire, hein, honnêtement. Ouais. On devrait s'en sortir, j'espère. Bon, s'il y en a qui détruisent des trucs, hein, vous en occupez pas, de toute façon on se barre donc.
Bon, moi, ils sont bien occupés. Par contre, dès qu'ils vont avoir tout pété, ça va arriver en masse. Voilà, à peu près comme ça. Joli tir. De toute façon, dès que c'est fini, ça va nous TP direct. Il y a quelqu'un qui a pas pris son truc là à droite sur le coffre. Dépêchez-vous. Là. Dans le couloir. Ah là. Ouais. C'était moi. Je... Oula, oui. Joli timing. Ouais. Ouais, c'est... C'était la salle d'à côté, j'avais pas fait gaffe. C'était pas drama non plus, hein, mais. Non. C'est pour moi, pour mon jeu personnel, quoi, voilà. Ouais, voilà. Même si ça se trouve, ce sera reset à la sortie de l'open dev, mais bon. Ouais, clairement, il y a des chances. Et puis, on avait dit la Borg colonie. Et puis, sachant que de toute façon, la clé de l'open dev ne débloque pas le jeu, hein, donc. Yep. Mais bon, d'ici là, on verra. On a quelques contacts avec Amplitude. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, je n'ai pas pensé de le dire, mais j'ai une clé à donner, hein, s'il y en a qui veulent le tester. Sur le live, manifestez-vous, je peux vous donner une clé sans problème, pas de concours, pas de giveaway, rien. Le premier qui me dit je la prends, je lui donne. Et si personne n'en veut, ben, voilà. C'est ça. Je chope quand même quelqu'un, je lui envoie un privé et je lui demande de l'activer de force, sinon je le bannis de la chaîne. Exactement. Science. Ouais. Donc là on peut pas ouvrir, là oui. Food. Ok. Et tu pars. Bon, je te laisse avec tes deux tourelles, ça devrait le faire. Oui. Entre ça et mon petit flingue. Voilà, tranquille. On a tous nos ultimates ready au passage. Ok, et là on a la grande salle dans laquelle il faut ramener le bot. Enfin, on a une pièce blanche à ouvrir plus haut. Je vais l'ouvrir quand même au cas où. Et forcément, une autre salle avec des vagues. Et un coffre aussi. Ça améliore. Ça améliore la vitesse de tir pour chaque monstre dans la salle. Bon, ok. Bah... Ouais. Moi, comme je snipe. Oui, toi, c'est pas très utile. Moi, par contre, avec mon petit flingue. Vas-y, parce que moi, avec mon pompe, de toute façon. Ouais. Comme on est là, on peut fortifier ici les 3 points et tout maintenir pendant le déplacement du truc. Ouais. Ok. Se taper le luxe de faire le petit cristal sur le chemin. Sur le chemin, je l'avais pas vu. Ah oui. Ouais, de l'autre côté, ouais. Autant le faire avant, ouais. Ok, bah allez-y, je vous laisse mettre les défenses. Comme vous l'entendez. Ah. Si vous avez envie de lancer, que vous êtes prêt, vous lancez. Hein. C'est bon. Allez-y, hein, c'est à vous d'appuyer pour le faire venir sur le cristal. Ah oui. Je reste en haut pour le moment, hein, je couvre. Et je me souviens plus, il va venir directement sur le cristal. Oui. Il va pas rester à côté de moi. Non, par contre, une fois qu'il a fini de driller le cristal, c'est là que ça devient problématique. Il y en a un qui s'est échappé, il y en a qui passe. Hein. Ok, je pensais que vous aviez mis des défenses dans le couloir, moi, sur le passage. Bon, on va crever. Ah oui, non, mais d'accord, moi je croyais que vous aviez fait ça.
Ouais, non, je les ai mis plus bas histoire de défendre. Eh ben oui, mais du coup, en fait, le couloir, ils arrivent de la droite, de la gauche. Donc, effectivement. Eh bien, tant mauvaise pis. Tactique. On n'aura pas réussi, décidément. À chaque fois que je fais des open dive en live, je les foire. Et quand je les fais en off, moi, j'avais fait la première en solo, j'avais fini par la réussir. Et avec vous, hier, on a réussi. Bon, bah, écoutez, c'est comme ça. C'est pas grave, on va pas persister. Ouais, voilà, c'est pour dire aux gens, bah vous avez vu, hein, c'est pas si facile. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura permis au moins de voir le jeu. De toute façon, c'est pas grave, hein, ce n'est que d'une open dev. Dans 10 jours, on ne pourra plus jouer, même pas une semaine. Donc, il n'y a pas de souci. C'était le tout petit live du dimanche pour permettre de découvrir le jeu. Les gars, merci d'être passés pour me permettre de faire cette vidéo à 3. C'est quand même plus sympathique, malgré tout. Bah oui. Yes. Et puis ben je vous dis à une prochaine. Bye bye tout le monde. Ciao. Ciao ciao.